Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 28. Oubli du passé. Je n'ai pas oublié que nous fêtons Pâques ce mois-ci. Mais quand je reviens sur la Terre, dans un nouveau corps, j'oublie mes autres vies. Pourquoi ? L'esprit, quand il vient dans un nouveau corps sur la Terre, oublie les vies qu'il a déjà eues avant. Mais pourquoi ? Parce que s'en souvenir pourrait nous poser des problèmes. En général, l'esprit renaît avec les mêmes personnes pour réparer le mal qu'il a fait. Et si on se rappelait qu'on a fait beaucoup de mal à notre frère ou à notre sœur de cette vie, par exemple, ou que c'est lui ou elle qui nous a fait beaucoup de mal, on pourrait avoir peur ou vouloir se venger. Ce serait difficile d'apprendre à vivre ensemble, de s'entraider, de s'aimer. Alors, ainsi, ce serait difficile de réparer les torts du passé. Les souvenirs pourraient aussi nous amener à faire les choses de la même façon que nous les avons déjà faites avant, et non pas de manière différente. Si nous avons commis des erreurs, nous pourrions continuer à nous tromper. Alors qu'en ayant oublié, nous pouvons apprendre de nouvelles choses et acquérir de meilleures habitudes. Toutes les connaissances que nous avons acquises dans les vies passées ne sont pas perdues. Elles sont enregistrées dans notre mémoire spirituelle. Tout ce que nous avons fait dans nos vies est archivé dans notre périsprit. Certaines facultés intellectuelles peuvent rester en sommeil sans que nous sachions que nous les avons, soit parce que nous n'en avons pas besoin dans cette vie, soit parce que nous nous en sommes servis pour faire du mal aux autres, et alors nous en sommes privés jusqu'à ce que nous comprenions notre erreur. Certains ont des souvenirs qui sont à l'état d'intuition. On le voit chez certains enfants qui, très tôt, sont très doués. Par exemple, des génies en mathématiques, en musique, etc. Et il est très courant de rencontrer des enfants qui se souviennent d'une vie antérieure. Et ces enfants, souvent, dès qu'ils commencent à parler, racontent les détails de leur vie passée. Ils disent clairement qu'ils habitaient à tel endroit, avec telle personne, des frères, des sœurs, les parents, qu'ils avaient un animal, ou d'autres détails encore. Ces souvenirs s'effacent vers l'âge de 7 ou 8 ans. Pendant le sommeil du corps physique et ensuite lorsque nous retournons à la vie spirituelle, après la mort, nous pouvons retrouver la mémoire du passé.